Cette exposition 3000 ans de création artistique en Afrique a pour but simplement de montrer, dans le cadre donc de notre anniversaire, parce que l'anniversaire du centre c'est aujourd'hui, ça a été ouvert le 19 juillet 2005, et chaque année nous faisons des manifestations de ce genre à cette époque-là. Mais cette année nous avons jugé nécessaire de faire une exposition qui nous rappelle un petit peu trois millénaires, c'est-à-dire des sculptures qui viennent du plateau de Dios, les sculptures Nok, c'est la plus ancienne civilisation de l'Afrique de l'Ouest. Bon, nous avons aussi des sculptures qui nous viennent même d'Éthiopie, du Mozambique, du Ghana, du Mali, de l'Angola, et ça c'est ma collection personnelle bien sûr. Et nous avons jugé nécessaire d'inviter donc avec ces antiquités les deux doyens de l'art contemporain sénégalais, Baba Carlo et Adama Sylla. Tout le monde connaît Baba Carlo, le grand souverainiste. Là, notre pièce maîtresse, c'est un buste Nok, qui date de 3000 ans. Après cela, nous avons un cheval Afo en bronze, qui date de 2000 ans, mais tout cela testé par des laboratoires, bien sûr, avec le carbone 14 ou la thermoluminescence. Mais aujourd'hui, nous avons aussi un peu diversifié. Nous avons des masques qui nous viennent du Mozambique, c'est-à-dire les masques Makonde. Nous avons des pièces rares comme une maternité Basengue qui vient du Nigeria, à ne pas confondre avec les Basengue de la République démocratique du Congo. Les Basengue vivent au nord du Nigeria, vers le plateau de Dios. Nous avons aussi des masques qui nous viennent d'Angola, par exemple les Tchokwe, un peu dans le Cabinda. Nous avons des objets qui nous viennent de la République démocratique du Congo. Voilà, en gros, je ne peux pas tous les citer parce que nous avons exposé à peu près une centaine d'objets, mais tous de grande facture, de grande qualité, très anciens. Il n'y a aucune copie ici dans ce que nous exposons. Les bonnes nippones d'un homme.